Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. Cette vidéo est sponsorisée par RhinoShield, la marque d'accessoires et de coques pour smartphones. En ce moment, c'est le Black Friday chez RhinoShield et vous pouvez avoir jusqu'à 60% de réduction sur l'ensemble du site. Avec le code MAMITWINKBF, vous pouvez même ajouter 10% de réduction supplémentaire. Je vous retrouve en fin de vidéo pour vous parler de RhinoShield et vous présenter leur toute nouvelle collection Dragon Ball Z, Naruto Shippuden ou encore Star Wars. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir la nouvelle histoire de guerre du jour. On va vous parler d'un personnage que vous connaissez tous, Fidel Castro. Il faut savoir que l'homme d'État cubain aurait été la cible de pas moins de 638 tentatives d'assassinat. Les renseignements américains ont en effet imaginé les plans les plus farfelus pour éliminer l'homme d'État cubain. Des cigares empoisonnés, en passant par les coquillages explosifs ou encore l'alliance avec les mafieux les plus recherchés des États-Unis, je vous propose de découvrir l'histoire incroyable des 638 tentatives d'assassinat ratées contre Fidel Castro. le 14 septembre 1960, Plaza Hotel, New York City. L'imposant bâtiment trône devant Central Park, entouré de dizaines de gratte-ciel. La circulation grouille autour de l'hôtel et les passants fourmillent le long des avenues. À l'intérieur du luxueux complexe, où colonnades et dorures se mêlent aux verrières majestueuses, deux hommes discutent discrètement. D'un côté, Johnny Roselli, 55 ans, le regard perçant et élégamment vêtu. De l'autre, Robert Maheu, 43 ans, costume tiré à quatre épingles et mallette à la main. Le premier est officiellement un producteur influent d'Hollywood. Officieusement, il trempe depuis de très longues années dans le crime organisé et compte parmi ses amis les plus grands mafieux du pays. Le second, qui se présente comme un détective privé au service de riches industriels, est en réalité mandaté par la CIA afin d'établir un contact avec la mafia. I had been doing work for the CIA. I would contact a Mr. John Roselli. Son objectif est d'enrôler les plus grands bandits du pays afin d'exécuter une mission des plus sensibles, assassiner Fidel Castro, le premier ministre de Cuba. Un an plus tôt, Fidel Castro a pris le pouvoir sur la grande île des Caraïbes, située à 150 km des côtes de Floride. Le guérillero, âgé de 33 ans, a mené la révolution et chassé du pouvoir le dictateur Batista. Alors que le monde est en pleine guerre froide, les Américains voient d'un très mauvais œil l'arrivée de Castro au pouvoir. Car leur nouveau voisin ne fait pas profil bas. Sa barbe hirsute, son légendaire cigare ou encore ses longues tirades galvanisantes font les gros titres de la presse. Le révolutionnaire, charismatique et impitoyable, suscite la curiosité et l'admiration d'une partie du monde occidental. Le gouvernement de Castro nationalise une grande partie des sociétés installées sur l'île. En août 1960, les raffineries de pétrole Esso et Texaco sont réquisitionnées par le régime. Pire encore, Castro scelle des traités commerciaux avec les pays du bloc de l'Est. Pour les États-Unis, c'en est trop. Le président Eisenhower autorise la CIA à organiser le renversement du régime cubain. L'agence de renseignement, qui a carte blanche, imagine alors les plans les plus farfelus pour tuer Fidel Castro. Au Plaza Hotel de New York, l'agent Maheu fait une offre à Roselli. $150 000 contre la tête de Castro. Déstabilisé par la requête, le gangster se montre dans un premier temps méfiant. Mais la nationalisation des sociétés sur l'île de Cuba est non seulement une épine dans le pied du gouvernement américain, mais aussi de la mafia.
car depuis l'arrivée de Castro, la pègre américaine a tout perdu sur l'île. Trafic de drogue, prostitution et casino leur ont échappé. Intrigué par la proposition de son mystérieux interlocuteur et bien conscient que cette demande pourrait arranger les affaires de la mafia, Roselli se laisse convaincre et propose une rencontre avec ses supérieurs. L'agent Maheu exulte, son plan se déroule comme prévu. We were told it was important to dispose of Mr. Castro, and to the word dispose you can add anything you want. Deux semaines plus tard, l'Américain rencontre dans une chambre d'hôtel de Miami deux amis de Roselli, Sam Giancana et Santos Traficante. Les deux hommes ne sont pas n'importe qui. Le premier est le successeur d'Al Capone et il est chef de la pègre de Chicago. Le second est un ancien boss de la mafia américaine à Cuba. Maheu renouvelle son offre, $150,000 si Castro meurt. Les deux criminels acceptent sans hésiter et proposent même de le faire gratuitement. Tout laisse à penser qu'ils ont tout de suite compris que la CIA est le commanditaire. Vaut mieux alors ne pas être payé. Pas d'argent, pas de traces. Dans les semaines qui suivent, Robert Maheu et Sam Giancana affinent leur plan. Le mafieux suggère de ne pas utiliser d'armes à feu, mais plutôt d'empoisonner Fidel Castro. Il connaît d'ailleurs un Cubain, proche du dictateur, qui pourrait se charger de commettre le méfait. Le 12 mars 1961, lors d'une réunion secrète dans un hôtel de luxe à Miami, Maheu confie six mystérieuses gélules à Giancana. Ces dernières, soigneusement préparées et testées dans les laboratoires de l'agence gouvernementale, sont remplies de toxines botuliques, un poison soluble, absolument fatal et pratiquement impossible à tracer. Reste à les glisser discrètement dans la boisson ou la nourriture de Fidel Castro. Mais malheureusement pour la CIA, après plusieurs tentatives infructueuses, l'homme de main de Giancana est démis de ses fonctions auprès de Castro. L'opération est un échec. En parallèle de leur collaboration avec la mafia, les agents du renseignement américain fomentent d'autres plans pour éliminer celui qu'ils considèrent comme leur ennemi numéro 1. Dès 1960, une ex-amante de Fidel Castro est mandatée par la CIA pour assassiner le leader cubain. Munie de pilules empoisonnées cachées dans un pot de crème, Marita Lorenz se rend dans la suite du dictateur à l'hôtel Hilton de la Havane. Lorsqu'elle se retrouve confrontée à son ancien amant, la jeune femme fond en larmes et ne peut se résoudre à le tuer. La même année, une autre idée germe dans la tête des officiers de l'agence de renseignement. Puisque Fidel Castro semble avoir un faible pour les cigares, pourquoi ne pas lui envoyer une boîte de cigares empoisonnée ? Au cours du mois d'août 1960, des cigares cubains de la marque préférée de Fidel Castro font leur apparition sur les bureaux des officiers médicaux de la CIA. Les cigares sont consciencieusement ouverts, imprégnés de toxines et scellés à nouveau, sans qu'aucune trace ne soit visible. Pendant plusieurs semaines, des tests sont menés pour s'assurer de l'efficacité du plan. Le lot de 50 cigares est si toxique que si Castro en porte un seul à la bouche sans même le fumer, il mourra dans les heures qui suivent. Le 13 février 1961, un colis mystérieux est confié à un individu non identifié, puis les renseignements en perdent la trace. Une chose est sûre, les cigares empoisonnés ne sont jamais arrivés aux lèvres de Fidel Castro, qui continue son rapprochement avec le bloc de l'Est, au nez et à la barbe des États-Unis. Deux mois plus tard, le 16 avril 1961, Fidel Castro annonce officiellement la nature socialiste de sa révolution et se proclame marxiste-léniniste. Et que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en la propia nariz de los Estados Unidos. Le lendemain, la CIA sort le grand jeu. Thank you.
Au petit matin du 17 avril 1961, 1400 exilés cubains armés et entraînés dans le plus grand secret par la CIA débarquent sur l'île de Cuba dans la baie des Cochons. La brigade d'exilés est soutenue par des avions de l'armée américaine parés du drapeau cubain pour faire croire à une insurrection locale. Selon la CIA, l'opération doit amener à un soulèvement de la population contre Castro et au renversement du régime. Mais le débarquement de la baie des Cochons tourne au fiasco. La population locale refuse de venir en aide aux insurgés. Les exilés sont neutralisés en moins de 72 heures par l'armée de Fidel Castro. Le président John Fitzgerald Kennedy, en poste depuis quelques mois seulement, est forcé d'admettre la responsabilité de Washington. Les États-Unis sont humiliés et Castro renforce sa popularité. Pour les agents de la CIA, la défaite est cinglante. Le 14 octobre 1962, un U-2, un avion espion américain, survole l'île de Cuba et photographie des bases de lancement de missiles. Les Américains identifient des fusées à tête nucléaire de facture soviétique. Ils repèrent également des navires transportant des ogives nucléaires en route vers l'île. Dans une escalade des tensions, Kennedy ordonne le blocus complet de Cuba et déploie une imposante flotte pour intercepter tout transport soviétique. Alors que le monde est au bord de la guerre atomique, Fidel Castro interpelle dans un télégramme Nikita Khrushchev, le premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique. Si les Américains débarquent à Cuba, l'URSS doit déclencher le feu nucléaire, quitte à rayer l'île de la carte. Finalement, après 13 jours au bord de l'abîme, Khrushchev et Kennedy parviennent à un accord. Les missiles installés à Cuba sont démantelés et, en échange, les États-Unis promettent de ne jamais envahir l'île. La crise des missiles de Cuba est désamorcée, mais la CIA n'abandonne pas sa mission. Elle souhaite à tout prix se débarrasser de Fidel Castro. Au début de l'année 1963, l'Agence centrale de renseignement décide de s'attaquer à une autre passion du dictateur cubain. Après les cigares, la plongée sous-marine. Desmond Fitzgerald, responsable de l'agence de renseignement, se procure deux livres sur les mollusques des Caraïbes et se met en tête de développer une bombe coquillage. L'homme imagine un plan dans lequel un sous-marin miniature dépose un coquillage chatoyant bourré d'explosifs au fond des eaux fréquentées par Castro. Malheureusement pour Fitzgerald, aucun coquillage ne correspond à ses attentes. De plus, les mini-sous-marins de la CIA n'ont pas une portée suffisante. Jugé trop farfelu et techniquement irréalisable, l'idée est rapidement mise de côté. Mais quelques semaines plus tard, une nouvelle opportunité d'attenter à la vie du leader Maximo se présente par le biais d'un certain James Donovan. L'homme est un diplomate américain qui travaille d'arrache-pied pour négocier la libération des Cubains emprisonnés après le débarquement raté de la baie des Cochons. Donovan entretient une relation cordiale avec Fidel Castro et partage la même passion pour la plongée sous-marine. Durant la première semaine d'avril 1963, Donovan est invité à Cuba par Castro en personne pour discuter et passer une semaine de vacances. L'occasion rêvée pour la CIA. Car Donovan prévoit d'offrir une nouvelle tenue de plongée à Castro en cadeau. Ni une ni deux, la CIA se procure une combinaison flambant neuve qu'elle infecte avec un champignon et la bactérie responsable de la tuberculose. Donovan, qui n'est pas du tout au courant du plan, se mue en assassin malgré lui. Mais par un coup du sort, il choisit d'offrir une toute autre tenue à Castro. Un nouvel échec pour la CIA. Les mois passent et le 22 novembre 1963, un agent des renseignements américains a un rendez-vous top secret avec un certain Kubela, un officiel du gouvernement cubain qui ne croirait plus en la révolution et aurait choisi de trahir Fidel Castro. Au cours d'une réunion à Paris,
l'officier de la CIA présente aux Cubains un stylo a priori banal. Il s'agit en réalité d'une seringue hypodermique microscopique remplie de Blackleaf 40, un concentré de nicotine destiné à terrasser Fidel Castro. Mais au même moment, à Dallas, de l'autre côté de la planète, c'est le président américain John Fitzgerald Kennedy qui est assassiné d'une balle dans la tête. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Immédiatement, la mission de la seringue hypodermique est annulée. Dans le plus grand secret, le mystérieux Kubela renouvelle son soutien aux États-Unis et se dit prêt à tout pour assassiner Fidel Castro. Mais ce que la CIA ignore, c'est que derrière leur taupe se cache en réalité un agent double. Car Kubela est bel et bien un fidèle de Castro et il n'a aucune intention d'assassiner le commandante. Au contraire, il a été engagé par les services de contre-espionnage cubains pour mettre au jour les plans de la CIA. Fidel Castro n'ignore en effet rien des tentatives des États-Unis pour l'assassiner. En infiltrant les plus hautes sphères du renseignement américain, le gouvernement cubain a un coup d'avance sur son ennemi. Fidel Castro se sent invincible. Octobre 1979, 16 ans plus tard, dans un avion en direction de New York. Fidel Castro, vêtu de son traditionnel uniforme militaire et cigare à la bouche, se tient debout dans l'appareil. Le chef d'État est en route pour New York et le siège de l'ONU, où il doit prononcer un discours. Soudain, un journaliste l'interpelle. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un chaleco. I will land in New York like this. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. A moral vest. A moral vest. Qué fuerte. It's strong. Ese me ha protegido. Entre 1989 et 1991, le bloc de l'Est s'effondre, entraînant dans sa chute l'île de Cuba. L'économie du pays vacille, Cuba perd son approvisionnement en pétrole. L'île des Caraïbes sombre dans une profonde crise. Mais Fidel Castro, qui dirige l'État depuis 3 décennies, tient les rênes du pouvoir d'une main de fer. Dans des discours virulents, le dictateur à la barbe grisonnante met en cause son voisin américain qu'il accuse d'être la source de tous les maux de son peuple. Une plainte est même déposée contre les États-Unis au tribunal populaire de la Havane en 1999. Cuba réclame des centaines de millions de dollars de réparations. Et dans les dizaines de pages du rapport de plainte, une information surprenante vient se glisser. Les services de sécurité cubains révèlent que Fidel Castro a été la cible de pas moins de 637 tentatives d'assassinat. Mais en 2000, une dernière vient s'ajouter à la liste. Alors que Fidel Castro est en déplacement au Panama, ses services secrets repèrent la présence de 4 individus suspects. Selon leurs informations, ces exilés cubains fomentent un plan pour éliminer le commandante. Il prévoit de placer des explosifs sous la tribune sur laquelle doit s'exprimer Fidel Castro. Cette 638e tentative d'assassinat est déjouée et les hommes sont arrêtés. Lima,
ya se encuentran en esta ciudad y han introducido armas y explosivos. Malgré tous les efforts déployés par la CIA, c'est finalement le temps qui a raison du règne sans partage de Fidel Castro. En 2008, le dirigeant, alors âgé de 81 ans, voit sa santé décliner et se résout à passer le pouvoir à son frère Raoul. Et le 25 novembre 2016, Fidel Castro s'éteint à l'âge de 90 ans. Après avoir vu se succéder 11 présidents américains, d'Eisenhower à Obama, après avoir régné pendant plus d'un demi-siècle et après avoir survécu à 638 tentatives d'assassinat, l'ennemi numéro 1 de la CIA meurt simplement de vieillesse. Ironie de l'histoire, la seule arme qui sera venue à bout de Fidel Castro aura été la patience. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, les amis, Fidel Castro aurait été la cible de 638 tentatives d'assassinat. Ce nombre a été avancé par les services de renseignement cubains et sans doute qu'il a été exagéré pour des besoins de propagande. Ce qui est par contre sûr, les amis, c'est que toutes les tentatives qu'on vous a racontées dans la vidéo sont véridiques. Elles sont attestées par des documents déclassifiés de la CIA. Et d'ailleurs, Fidel Castro détient le record officiel de tentatives d'assassinat et figure à ce titre dans le Guinness Book des records. Comme vous avez pu le voir, les Américains n'ont jamais réussi à tuer Fidel Castro. Et plutôt que de l'éliminer dans la vraie vie, ils l'ont fait virtuellement. Effectivement, dans le jeu vidéo Call of Duty Black Ops sorti en 2010, vous incarnez lors d'une mission un soldat américain dont l'objectif est de tuer Fidel Castro. Il faut savoir que la sortie du jeu vidéo a provoqué de vives émotions sur l'île de Cuba. Et dernier point au sujet de cette histoire, et pas des moindres. Vous avez vu que la CIA a travaillé avec des personnes comme des gens de la mafia ou encore l'amante de Fidel Castro. Eh bien, il faut savoir que toutes ces personnes sont liées à une autre affaire, celle de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis. Effectivement, Marita Lawrence, l'amante dont on avait fait appel pour éliminer Fidel Castro, était en contact avec un certain Lee Harvey Oswald, l'homme qui a abattu Kennedy d'une balle dans la tête. Et concernant Giancana et Roselli, ces deux mafieux que la CIA avait recrutés pour tenter d'assassiner Fidel Castro, eh bien, ces deux personnes ont été assassinées dans les années 1970. Chose un peu plus étrange, ces deux mafieux ont été tués alors qu'ils devaient témoigner auprès d'une commission du Sénat américain dans le cadre d'une enquête sur les tentatives d'assassinat contre Fidel Castro et surtout sur la mort de Kennedy. Vous l'aurez compris, les histoires se mêlent et il y a encore énormément de zones d'ombre, mais ça sera peut-être pour une prochaine histoire de guerre. Les amis, avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler de RhinoShield, le sponsor de cet épisode. Vous commencez à bien les connaître, ils sponsorisent régulièrement les épisodes d'Histoire de guerre. Il s'agit d'une marque d'accessoires et de coques pour smartphones. RhinoShield, c'est des coques ultra résistantes qui absorbent et dispersent les chocs lorsque votre téléphone tombe par terre. Alors évidemment, cela ne rend votre téléphone pas indestructible, mais ça vous aide à le garder intact au quotidien. Sur RhinoShield, vous avez plein de modèles de coques différents et il y en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit sur l'univers de Star Wars, Naruto Shippuden ou encore Dragon Ball Z ou la NASA. Récemment, ils ont également sorti des coques sur le thème de l'univers Marvel. En ce moment, sur RhinoShield, c'est le Black Friday. C'est les plus grosses promotions de l'année. Vous pouvez avoir jusqu'à 60% de réduction sur l'ensemble du site. Et avec le code MAMITWINKBF, vous pouvez ajouter 10% de réduction supplémentaire. Attention, le code promo MAMITWINKBF ne dure que 48 heures. Les amis, si vous aimez RhinoShield ou que leurs produits vous font de l'œil, n'hésitez surtout pas à passer par le lien dans la description ou notre code promo, c'est votre meilleur moyen de nous soutenir.
Et évidemment, un grand merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cet épisode. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Ça a été une nouvelle fois très passionnant pour nous de vous préparer cette histoire de guerre. Je sais que je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment le cas. Imaginez-vous, on a épluché des dizaines, des centaines de pages de documents déclassifiés de la CIA. C'était comme si on découvrait un petit peu des secrets d'histoire et qu'on les révélait au grand jour. Ça a été vraiment passionnant à préparer et j'espère que vous avez été tout autant passionnés. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien.